un immeuble, before building something, ce qui va intéresser, what is important, le propriétaire, c'est le sous-bâtiment. It will be the basis. Alors, monsieur peut construire l'immeuble. If you want to build, ne tombe pas si un bon architecte, and you don't have a very good architect, vous allez voir que ils vont bien monter le bâtiment. You'll see that the building will be correctly done. À la longue, ça va s'écrouler. But after, will fall down. Nous avons vécu beaucoup de choses ici en Côte d'Ivoire. We lived too many things in Côte d'Ivoire. Où les immeubles se sont écroulés à Yopougon. Where the buildings fell down. Nous avons vu beaucoup de choses. In Yopougon, too many things. Au plateau de Guy, les immeubles s'écroulaient. Building falling down. Why? Parce qu'il n'y a pas eu de bon fondement. Because there was not good foundation. Les choses s'écartent dans ta vie. Things are becoming worse. Parce que ta vie n'est pas basée sur un bon fondement. Because your life is not based on a good foundation. Tu ne fais pas quelque chose, ça s'écarte. Parce que ta vie n'est pas sur un bon fondement. Your life is not on a good foundation. Tout ce que tu touches, ça s'écarte. Everything you touch. Parce que ta vie n'est pas basée sur le bon fondement. It's falling down because your life is not based on good foundation. Amen. Alors pour rétablir un fondement, so to establish it, il faut détruire l'ancien fondement. You have to destroy the last foundation. Amen. Amen. Alléluia. Et quand vous lisez le livre de Psaume, le chapitre 3, le when verset you read the Psalm, 11, plutôt 11, le verset 3, the verse 3, on dit si le fondement est renversé, if the foundation is turned down, qu'est-ce qui restera au juste? What will be? Si le fondement est renversé, if the foundation is turned si down, la base de ta vie, if the basis of your life, le fondement de ta vie est renversé, the foundation of your life is turned down, chrétien, even if you're a Christian, tout ce que tu touches, everything you touch, amen. Amen. Si tes parents, if your parents, ou ton village, your village, a bâti le village, has built the village, si des actions démoniaques, on the devil actions. J'étais dans la région de Soubré. I was in Soubré. Dans un village près de la mer, la lagune, le fleuve Sassandra. In a village, in one of the village. On appelle un village near Sassandra River. Toutoubré, c'est un village. Something called Toutoubré. On les appelle les Cordia, les trucs comme ça. Les and Cordia. People call them Cordia. J'ai trop voyagé moi. I traveled much. Près de la lagune. Et le fleuve Sassandra. Near the Sassandra River. Et quand je suis rentré dans le village, and when I entered the village, j'ai compris que les choses, I understood that le village, the village, était occupé par Satan, was taken by the devil. J'aurais dit, vos ancêtres ont vendu le village. And I told them that your village had been sold to the devil by your ancestors. Et près du village, and near the village, et une île juste à côté, there was an island. Et je leur ai dit, voici ce que Dieu me dit. And I told them that votre village là, ça part de l'île. Your village, que tout est bloqué, is stopped apart from the island. C'est là le propriétaire, parce que dans le village il y a des détenteurs de l'histoire. You know that in the village we have the Israeli owners. Qui va sortir me dire, effectivement ce que tu dis est vrai. Was it? What you said is right. Parce que les colons passaient par le fleuve Sassandra. Because the colonizers, c'était le chemin avant. Le fleuve que les gens utilisaient. This place was the way. Pour ne pas que les gens prennent nos enfants pour les envoyer en esclavage. So that people could not take our children for slavery. Nos parents ont pris la plus vierge des filles, la petite fille, la vierge, une vie vierge. And took a virgin girl. Ils ont découpé en deux. And she was cut in two. Ils ont ils ont enterré. And she was buried. Une partie sur l'île, une partie au part on the island and another part far from the village. Depuis ce temps, le village, aucun blanc ne rentre dans nos villages. And since that period, a white cannot enter in our village. J'ai dit, vous avez fermé votre village. And I told him that you have closed. Et effectivement, tout ce qui est développement ne rentre pas dans le village. And everything which is developed, which about development, sont du village, ils ont des difficultés en ville. All the people from that village. Pourquoi? And parce que le village était sur un faux fondement. Because the village was on a bad foundation. Ils ont fermé le village mystiquement. The village was closed. Mais pas que tout ce qui vient de l'extérieur entre dans le village. So that everything coming from abroad cannot enter. Tu vas pour aller à l'école. You can even go to school. Mais à un moment donné, but tu reviens au village. You'll come back in the village.
Tout ce qui a projet de construction d'école. If you want, ne rate pas dans les building, des difficultés. Only troubles. Il a fallu que je change les fondements. And I have changed. J'ai décrété un moment de jeûne de 3 jours dans ce village. I told them. Et nous avons demandé pardon, Seigneur. J'ai pris une bouteille d'huile. And I took. Je suis allé sur l'île. An anointed. Pour détruire les fondements. Anointed oil. Je suis revenu dans le village. Détruire les fondements. And I came back in the village, destroyed the foundations. L'année qui a suivi. The coming year. Ils ont eu les meilleurs en bac. They had. BPC. The famous students. Et ce qui est intéressant, c'est que l'État a décidé de construire une école. And qui existe aujourd'hui dans the government has decided to build a school in that village. Quand les fondements sont renversés, when the foundation has turned down, il sera quoi difficile? It will be difficult d'avancer. To go ahead. Amen. Amen. C'est vrai que vous vivez à Grémion. It's true that you live in Grémion. Les fondements sont renversés. But the foundation has turned down. Et on a l'impression que c'est les étrangers qui prospèrent. And we have the impression that the strangers. Il faut que les choses changent. Where things must change. Il faut que les choses changent. Things must change. Amen. Amen. Nous allons rebâtir les bons fondements. We are going to establish les fondements sur Dieu. The foundation of God. C'est sur Dieu. On God. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Let's read the word of God. Écoutez très bien, c'est un culte spécial. It's a special service. Amen. Amen. Vous savez, quand un immeuble tombe, on appelle un spécialiste, quelqu'un qui maîtrise la chose. Moi, c'est mon travail. That is my job. Le travail que je sais faire, c'est de rétablir les fondements. What I have to do is to establish the foundation. Je rentre dans ton village, je vais rétablir les fondements. I enter in your village and I can establish. Dans ta famille, je vais rétablir les fondements. In your family, I can do it. Chacun a son don. Everyone has his power. Moi, c'est pour rétablir les fondements. My power is to establish the foundation. Nous prenons Deutéronome, le chapitre 2, le verset 1. Une consécration du village est remplie en cérémonie. C'est-à-dire, c'est riche en cérémonie. Amen. Nous allons implanter quelque chose ici. Et vous serez bénis et bénis et bénis. Alléluia. Nous prenons Deutéronome, le chapitre 32, le verset 1. Si vous y êtes, on y va. Et je parlerai. Give ear, O heathens, and I will speak. Père, écoute les paroles de ma bouche. Let the earth hear the word of my mouth. Que mes instructions se répandent comme la pluie. May my teaching drop like the rain. Que ma parole tombe comme la rosée. My speech condense like the dew. Comme des ondes sur like gentle la rain on the grass. Amen. Quand vous lisez Deutéronome, c'est la parole du prophète Moïse. The word of the prophets. Il devait faire Moses. Quelque chose, positionner quelque chose en fondement. We wanted to establish something. Vous savez, le ciel a des oreilles. Nous savons bien. You know that we can have ears on the sky. J'élève les montagnes, d'où vient grand mon secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux. My help is from the God who created the earth. Le ciel a des oreilles. Et la terre, vous voyez aussi, a des oreilles. And even the land. Il dit, ciel, écoute. Et terre, écoute. The sky and the earth. Et enregistre les instructions. And register all the what we are going to say ce matin, this morning c'est ce qui va se passer dans le village. Will happen in this village. Alléluia. Ce que nous allons prononcer ce matin, what we are going c'est to ce qui va se passer désormais dans ce village. Will happen in this village. Pourquoi? Why? Parce que Dieu est avec nous. Because God is with us. Alléluia. Et je suis son envoyé. Je suis son serviteur. And I'm the man of God. Nous allons commencer à rétablir l'ordre. I'm his servant. And we are going to establish. Vous n'êtes plus que désormais vos enfants soient des cabris qu'on les mange. So that your children cannot be goats to be eaten. Amen. Amen. C'est pas de l'orgueil, tout Dieu sait. Honestly, he knows. Ils ont envoyé plusieurs fois des gens au centre. They brought too many people. Mais tu es.
to attack me, to kill me. Always failing. A young boy from Gitri to come and kill me. Celui qui est mort. He died. Le pouvoir, ça se discute pas. We cannot discard the power. Amen. Amen. Je suis en train de faire un grand travail. I'm doing a job dans votre région. In your area. Le travail que je fais. That I've done. Il faudrait que les gens respectent les êtres humains. And people have to respect the human being. On vous respecte. When you are respected. On ne joue pas avec vous. People must not play with you. On ne peut pas jouer avec un être humain. We must not joke with Parce a human being. À l'image de Dieu. Because he has been created at the image of God. Dieu le crée avec une destinée. Or, c'est cette destinée que le diable chipe. Vol, détruit. And the devil is looking for people's destiny. Je suis venu parler à la terre du Grémien. I've just come to speak to the earth of God. Pour que les choses changent. So that things can change. Que tout ce qui a été fait négativement soit and détruit. Everything that has been done negatively is destroyed. So that. Ce qui est pas tout à l'heure, voilà, you can take a note. You can take notes. Le jour je suis rentré à Zaroko. The day I entered Zaroko. J'ai commencé à travailler à Zaroko de délivrance. I started the deliverance job. J'ai commencé à attaquer les sorciers. I started attacking sorcerers, witches. J'ai commencé à détruire, arracher les canaries. Destroying every pot. Les gens disent, il faut que le prophète quitte le village. And people wanted me to go away from the village. Ils envoient une délégation me chasser. And they brought me a staff so that I can be chased. Il y a toujours une histoire. J'ai quitté le village. And I left the village. On ne veut plus te voir. People said that they no more wanted to meet to les see. Les autorités disent de quitter le village. The authorities. Et j'ai quitté le village. And I left the village. Dès que j'ai quitté le village des Aroko. When I left the village, la semaine, on tue 10 personnes. The coming week, ils sont 10 personnes. Ils ont tué 10 personnes. Were killed. Manger, sont rassasiés. Killed. Tous ceux qui avaient attaché ont commencé à manger tout le monde. All the people who were tied tout have been killed. Pour dire non, ils sont les 20 cités. And I went back devant le chef, la cour du chef du village. And the whole village went for a sitting. Le prophète Crasso ne vient pas dans ce village. Toi, tu n'es plus so that the prophet can come back in the village. Les gens ont voulu marcher si irés, j'ai dit stop. People wanted to have a strike. Les mêmes autorités m'ont dit le que le prophète, ils m'ont demandé de rentrer dans le village. And the young people wanted me to enter the village. Les gens de Zaroko quand je rentrais dans le village. The people of Zaroko when I was entering the village. They simply raised their hand. Et j'adresse une parole au diable. J'ai dit à compter d'aujourd'hui. And I say a word to the devil. The je vous arrête today, au nom de Jésus. You are arrested. J'arrête la mort ici. I arrest the death. J'ai versé lui. Yeah, right here. And I pulled off. Et les choses ont changé. And things changed. Zaroko là, c'est un témoignage. Zaroko is a testimony. Je suis pas en train de vous mentir. I'm not lying. Zaroko est là. Zaroko is a testimony. Là-bas, c'était un carnage. On tuait, on se tuait. The beginning was really dangerous. Les sorciers commençaient à respecter les êtres humains. Sorcerers, witches, have started respecting human beings. Amen. Amen. C'est pas de l'orgueil. Il y a des gens qui sont honteux. Some people are anointed. When they pray, j'ai une histoire. God is hearing them. Donc je suis révolté contre la sorcellerie. So I'm revolted against witchcraft. Mon travail, je sais faire sur la terre. The job I know how to do. My job is. C'est de matraquer les sorciers. Is to attack sorcerers and witches. Amen. Amen. Je demande à la télévision ivoirienne. Ask to the Ivorian television to look et for. On va faire un débat télévisé. The sorcerer, so that we can have je a debate. Je chercher. Et ça soit direct. On live. Je vous dis, Dieu là, c'est pas dans la bouche. Let me tell you, God is not. Dieu c'est pas la bouche, c'est pas théorique, c'est it's pas. It's simply theoretical. Theoretical. Dieu est fort. God is. Dieu est puissant. Powerful. Ça ne se discute pas. God is strong. We cannot discuss. Amen. Amen. Je suis venu rétablir l'ordre. I've come here to establish the order. Si tu veux, faut pas me considérer. If you can consider me or not. Je suis convaincu que Dieu m'a appelé. I'm convinced that has been called by God. Une histoire. Because God and I have an history. Amen. Amen. Les gens me posent la question, pourquoi tu es à Divo? People are asking me, why are you in Divo?
Il dit, je suis à Divo parce que Dieu veut que je sois à Divo. I'm in Divo because God wants me to be in Divo. En mettant des terrains à Abidjan, ça ne m'intéresse pas. Then, je dois voir le changement de Divo. In Abidjan, I say I don't want, because I want Divo to change. Amen. Amen. Je suis très content d'être parmi vous ici. I'm very pleased to be with you. Et vous qui avez participé à cette cérémonie. And those who took part in this ceremony. Ne sont pas sortis. It's true that many did not come. Quand vous recevez un prophète. When you receive a prophet. En qualité de prophète. With the quality of prophets. Vous recevez la récompense de prophète. You receive the reward. Vous qui reconnaissez que je suis appelé de Dieu. Those who know that I'm a man of God. Even the elder here. Que Dieu le bénisse. May God bless you. Qui bénisse ses enfants. Bless his children. Les arrière petits petits enfants. The great crown. Ceux qui ont participé à cette rencontre. Those who took part in this. Ceux qui ont contribué pour que j'arrive. Those who contributed for my arrival. To establish. Que ce matin le Dieu d'Israël se souvienne de vous, morning. De votre maison. Of. Qui vous ouvre de grandes portes. De bénédiction. And may God give you blessings. Et que vous soyez bénis et bénis et bénis. So that you can be blessed, blessed and blessed. Parce que Dieu dit j'honore. Because God says, I honor. En invitant, vous avez honoré Dieu. When inviting me, you have pensé à vous. Honor God. Vous avez pensé à Grébien. You have thought about. Vous avez invité Dieu. You have invited God. Je vous assure que les choses vont changer. I assure you that things will change. Pas, j'ai un témoignage. I have a testimony. Things change everywhere I go. Les choses vont changer. Things are going to change. Je vous assure. Vous allez apprendre que les gens vont tomber dans le village. You learn that people will fall down in this village. Je fais tomber les baobabs, ça se discute pas. Les plus grands sorciers vont tomber. The most powerful sorcerers. Les choses vont changer. Things are going to change. Amen. Amen. Depuis vendredi, it's Friday. Les choses ont changé de camp. Things have changed. On dit pas amen. Amen. Les choses ont changé de camp. Alléluia. Things have changed since amen. Friday. Nous sommes à une cérémonie. We are on et a ceremony. Une cérémonie, on dit pas trop de temps. And when speaking about ceremony, we do not spend our time. Alléluia. Alléluia. Et les heures sont stratégiques. Cette heure est beaucoup stratégique. And this time is really strategic. Vous savez, ce qui caractérise un prophète. The characteristics of a prophet is not a prayer. Ce sont les actions. Actions. On appelle action prophétique. Prophetical actions. Le prophète, c'est ça que je fais. That is the job of the prophet. Je suis dit aux gens, je ne suis pas, je ne suis pas un prieur. And I used to say to people that I'm not a prayer. Il y a comme une clé. It's like a key. Quand tu le rencontres, quelque chose doit changer dans ta vie. Things, something must change in your life. Amen. Amen. Quand tu le rencontres, quelque chose doit changer. When you meet the prophet, something has to change in your life. Où Saül the day a rencontré Samuel, sa vie a changé. His life changed. Sa famille, his family, sa tribu n'était pas destinée à la royauté. Even his tribu was not. Quand il a rencontré un prophète, il a reçu le trône. Alléluia. Quand on rencontre un prophète, tout change. When we meet a prophet, everything changes. Alléluia. Je suis venu rétablir l'ordre. I've come to establish the order. Nous prenons deux rois, le chapitre 2, avant de positionner l'action prophétique. Before doing the prophetic action. Deux rois, le chapitre 2. Talking. Les gens de la ville disent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée. Voici. Le micro. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Mais le pays est stérile. Il dit. Apportez-moi un plat neuf. Voici ce qui intéresse le prophète. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et il y jeta du sel. Et dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. J'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort. Il n'en proviendra plus ni mort. Ni stérilité. Ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. On dit selon la parole qu'Élisée avait prononcée. According to the word of Elijah.
Alléluia. Le peuple de Jéricho rencontre des difficultés. People of Jericho are meeting problems. Parce qu'il y avait un problème. Because they have problems in their lives. Tout ce que les gens ils sont arrivés à mettre en terre n'a pas pu produire. They're put in the land. Il y avait la maladie partout. Sickness everywhere. Des difficultés. Problems. Ils ont compris quelque chose. But they understood something. Qu'il y avait quelqu'un dans la ville. That someone was in the résoudre leurs problèmes. That we could solve these their problems. Amen. Amen. Pour ça qu'il faut faire une belle lecture. That's why you have to read correctly. C'est pas tout le monde en avoir consacré un village. Not all the people to give consecration to a village. Amen. To sanctify a village. Tout le monde peut aller évangéliser. Everybody can go and mais worship. Pas tout le monde qui consacre. But not everybody to sanctify un village. A village. Alléluia. Il faut être appelé à ça. You have to be a man of si God. Tu n'es pas appelé à ça, dès que tu finis, le sorcier te tue. If you are not a man of God, you'll be killed by a sorcerer. Et constate que quelqu'un est dans le village, dans la ville. In a city. Et ce monsieur, c'est pas n'importe qui, c'est un prophète. We have a prophet. Oh, tu ne peux rien faire sans le prophète. God cannot do something without the prophet. Il s'approche le prophète et dit, when nous avons the des difficultés dans le village. They used to say that we have problems in the village. Quand vous regardez l'histoire, when you look at the street, le prophète n'a pas organisé une croisade the prophet de prière. Did not organize non. A crusade of prayer. Il n'a pas organisé une veillée de prière. He did not organize a vigil. Il dit emmenez-moi un plateau neuf. What he said? Il part bring vers me. La source des eaux. Il donne simplement une parole. Amen. Go near une water. Parole. And say a word. Just à partir d'aujourd'hui, apart from today, les eaux, il n'a promettra plus ni stérilité ni mort. Et c'est fini. No la more chose fatality. C'est arrêté. No more death. On dit amen. And everything stopped. We say amen. C'est ce que nous allons faire. That is what we're going to do. Alléluia. Depuis cette nuit, since that night, j'ai arraché beaucoup de choses sur le plan spirituel. I took back too many things. Spiritually speaking. Amen. Amen. I took back too many things. Amen. Amen. Les choses vont changer. Things are going to change. Les choses vont changer. Yeah. Things are going to change. J'ai un esprit bizarre qui était dans le village. There was here a spirit, a bad spirit. In the water. The river not far from here that people used to drink. C'est là-bas tous les sorciers les confiés grignants. All the village. Et les choses, je n'ai pas trop longtemps de temps, préparer frère les gens. L'esprit, c'est comme une femme, elle est routine. The spirit like a woman. Routine. Fair. Et les gens veulent décider de vous éliminer après ça. And the people, sorcerers, have decided to kill you. Your names, so that you can be killed. Et je suis allé faire votre palabre. And I went to fight for you. Et j'ai coupé sa tête. And I have destroyed. And I cut his head. C'est mon travail, j'ai fait. It's my job. Et j'ai arraché beaucoup de choses. And I took back too many things. Je vais vous donner. That I'm going to give you back. Le jour où Sikensi. The day Sikensi. La ville de Sikensi en 2010. In 2010. En avril 2010. April 2010. Il y avait un mystique au sein de la ville de Sikensi. A mystical tree. Il y avait un génie dans l'arbre. There was something. Et le génie tuait tout le monde dans la ville. Quand le rencontre tu. That terrible thing used to kill people. Every time we meet. La personne qu'ils ont trouvé invité c'est moi. And I have been invited. Ils ont appelé tous les débris, ils ont refusé de partir. Many people refused to go. Ils ont m'invité dans la ville de Sikensi. And I have been invited. Je suis allé saluer le préfet. I went to. Arrivé chez le préfet, il m'a posé la question, qu'est-ce qui t'envoie ici? And he asked me, why did you come here? J'ai dit, je suis venu abattre les arbres mystiques. And I told him that I've come to. Il m'a regardé droit dans les yeux. This, the mystical tree.
Il dit si c'est ça. He said, jeune frère, je te déconseille de toucher à l'âme. I advise you not to touch. Parce que c'est pas de la comédie. Because it's not comedy. Moi, tu vois, je croyais pas à la sorcellerie. I did not believe in witchcraft. Depuis que je suis arrivé à cette ici, since I'm in cette ici, croire à la sorcellerie. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas faux. What they are saying is not false. Tu ne peux pas. You cannot. Tu es trop jeune. You are too young. Tu as de l'avenir devant toi. You have a bright future. Il faut quitter la ville. You have to leave the city. Je lui ai dit, and I told him, Monsieur le gouverneur, dear governor, ce petit David, small David, capturé Goliath, killed Goliath. Il m'a dit c'est vrai mais tu sais. He told me that it's true but David c'est dans la Bible. Il a tué Goliath. David is in the Bible. Je te dis quelque chose qui est réel. But I'm telling you something which is real. C'est un génie, c'est pas Goliath, c'est un génie. Lui voit pas le génie comme Goliath. Il dit c'est un génie, génie on le voit pas. It's not like David. Il dit Goliath, David l'a vu Goliath. David l'a vu mais génie tu le vois pas. You cannot see it. J'ai dit c'est David. And I said Goliath. David had killed Goliath. J'étais déjà tout dit. Hein? Et je m'en vais à la cour du chef central. And I went to the house of a central chief. Tout le monde, where I saw everybody. On me met juste à côté. Of dancers. J'ai fait une réunion. Of fetishists. Où tout le monde est sorti. Depuis la chefferie. Where everybody. Tout le monde. On me présente, on dit lui là. Rich. Sorcerers. Ton intestin soit irrimer. Il coupe sa langue. Après ça, il coupe sa langue. They were having demonstrations. Ils m'ont invité parce que ça ne va pas. Ils I've been invited because marché. Everything did not go donc, correctly. Ils vont essayer avec moi. So they are going to try with me. Les gens qui dansent le dipi là. And people dancing dipi. Pour m'accompagner. Are going to see me off. Je leur ai dit non. I told them no. Ils m'ont rien dit non. Moi, je ne m'accompagne pas. Je suis déjà accompagné par quelqu'un. Amen. I'm seen by someone. Je n'ai pas besoin de cela. I don't need them. Je suis venu vous parler d'un Dieu que vous ne connaissez pas. I've come to speak to you about God. A God that you don't know. Moi, je ne suis pas de Sikensi. I'm not from Sikensi. Mais je suis venu déloger votre esprit. But I come to dislodge your spirit. Parce que quelque chose que vous n'avez pas. For something you do not have. Ils m'ont regardé. Je suis allé sur les lieux de la scène. They were watching me. J'ai vu là. I went. Je suis parti avec on le the place journaliste de la Côte d'Ivoire. I saw the c'est là, la presse. With another journalist. Speaking about the church, action. The press. D'abord, j'ai banalisé. J'ai pris ma chaise. I did not consider it when I was starting. La machette se coupe cassée en deux. I took a machete and went. Devant tout le monde. Cutting down. Cassée en deux. Wow. It broke into two parts. Okay. J'ai vu que c'est pas mais j'ai vu que c'est sérieux. And I noticed that it was serious. Comme j'avais ma chose, vous savez c'est ce qu'il dit. Le prophète a trouvé quelque chose. Oh, c'est l'huile. Je n'ai pas encore fait ma chose. I didn't pour quand il a pris ma chose, oil. J'ai commencé à tourner. And j'ai I autour de là. When I started putting the anointed oil. Around the tree, and said the spirit to go away. And I told the spirit to go away from the tree. They brought someone to cut down the tree. He said no. He said no. And I asked him why. He asked me if I did not see what had happened. Est-ce que tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Didn't you see what had happened here? J'ai repris notre machette. J'ai and I took him out of machete. Il a vu, c'est, il dit vif ou pas? Il a vu ou pas? Que lui sera à la maison, mais il me donne rendez-vous demain matin, il va venir. Il va s'apprêter, il va venir. Donc je lui ai dit, tu and t'as I told him. Il dit non. Il a pris qu'on appelle la tonçonneuse par terre. Je l'ai appelé, dit, viens me dire au revoir. And I called back him. And I call him back. Si tu quittes ici, if you leave this place, tu rentres chez toi, what you will have in your house, je cours devant ta famille, puis tu meurs. He came down and he died. M'a regardé. He was looking at me. Tu as le choix. You have the choice. Coupé, it's a cutting
and living. Parce que j'ai la parole, je peux te donner la vie comme la mort. Because I can give you life or death. Il m'a regardé. He was looking for me. Il ne pouvait plus parler. He was looking at me. He couldn't speak. J'ai dit, si tu bouges d'ici, if you leave, je t'ai dit, le this place. C'est comme ça, I told, I'm saying, telling you that the devil has gone away. On a commencé à partir de 16h. Apart from 4 p.m. and we finished. The following day at 7 a.m. with 8 blades. Et quand l'arbre est tombé, and when the tree les gens sont venus me regarder, fell down, le chef central, the central chief, à la une du journal le jour plus qu'il y a le jour, il m'a regardé, il dit, c'est du jamais vu. He was looking at me. Changer de camp. C'est que vous avez là, c'est pas ce qu'on appelle. And I told them that to change. On appelle ça sorcellerie. Camp. Because what they were doing was witchcraft. Dieu m'a toujours envoyé dans les endroits difficiles pour établir l'ordre. God always used to send me in difficult areas. Mais je vous rends des témoignages. I'm just giving you testimonies. Des témoignages. Testimonies. Un village qu'on appelle Likpilase Grodina. A village called Likpilase. Pendant 5 ans, ils ont mis lampadaires. Lampadaire. The electricity light, no lights. Bloqués. Everything was blocked. Ils ont planté tout, mais il n'y a pas courant. Everything was ready in the village, but no electricity light. Si on met courant, les gens vont mourir. Because many people should die if they had electricity light. And I told them, in the village, too many churches in the village. Everybody goes to church in the village. You go to church and you're afraid of the devil. Anytime we have to, people have to put the electricity light here. Moi, j'ai la vie à moi. People have to die. But I told them that sur la mort. I have the power over there on death. Personne ne connaîtra la mort là. Nobody will meet death. J'ai commencé à partir de minuit, j'ai I started from midnight. Dans le village. And I went around the village. À partir de 4 du matin, apart from 4 a.m., j'ai fait ce qu'il devait faire dans le village. I did what I have to do. Le lendemain, on a fait une croisade. The coming day, we have a crusade. Le président même Sekou était là-bas. Even the president. À ma croisade, pendant que faisait croisade, une dame est tombée. During the present, elle est morte. The crusade. Sous le champ. A woman tombée, elle est morte. Fell down and died. Une semaine après. A week after. Likpilase Grodina. Likpilase Grodina. Reçu un groupe électrogène pour électrifier tout le village. Receive. Ce sont les témoignages. Le matériel. Je vous rends compte les témoignages. To light the village. De la I'm telling you testimonies de la puissance de Dieu. Of the power of God. J'ai tellement vu de grandes choses. Too many things I've seen. Amen. Amen. J'ai vu tellement de grandes choses. I have seen too many things. J'ai vu la main de Jésus se manifester. Jésus.